Vous avez vu le titre de la vidéo. Il est tôt, très très tôt. On vient de partir, les gars, de la maison aujourd'hui. Normalement, journée incroyable. Mais on est enrhumé, on est très très malade, les gars. Ça va pas très très bien. Bref, je dois me moucher le nez. On monte dans la voiture et je vous récupère. Pendant toute la vidéo, les gars, vous allez avoir l'impression que je pleure, que je suis malade. Les gars, c'est complètement vrai, les frères. Je suis complètement déchiré. C'est la fin des vacances. On est samedi actuellement. Lundi prochain, les gars, on prend le bateau pour rentrer. Il faut savoir que cette maladie, elle arrive à la fin. Mais bon, ça va pas gâcher notre journée, les frères. Première étape, c'est directement partir, les gars, vers Ain Diab pour récupérer les tickets, les gars. C'est Jade qui va du coup nous les donner, les frères. Et ensuite, les gars, on va prendre la direction de Rabat vers 14h. Actuellement, comme vous le voyez, il est 8h38. On part à peine, les gars, de vers là où on habite à Casablanca. Et Inch'Allah, ça se passera bien. C'est parti. Ah, oubliez pas de vous abonner, les frères. Si le contenu vous plaît, si vous voulez que je continue à vous proposer des petits vlogs comme ça, n'hésitez surtout pas. Ça fait plaisir, c'est gratuit, les gars. Et plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos, les gars, ne sont pas abonnés. Donc, qu'est-ce que vous attendez? À tout de suite. Les frères, on est dans l'appartement de mes parents à Casablanca. Les billets sont là, on est parti les chercher. On a fait un gros saut dans le temps, les gars. Là, les gars, il est presque 15h. Je crois un truc comme ça, 14h30, 15h. Sauf que les gars, bah, ces billets, au final, ils vont servir à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est où le petit gosse, là? Eh, je suis là, les frères. Qu'est-ce qu'il dit? Les gars, il voulait absolument pas partir avec nous avec ses billets parce que c'est du côté de Birken. Voilà, moi, je suis idée, je vais pas mettre avec les autres adversaires. Les frères, c'est des billets que Jade nous a donné gratuitement. Je lui ai dit, frérot, c'est pas grave, on va rentrer en mode supporter lambda. On va regarder le match, tout va bien se passer. Lui m'a dit, je peux pas ne pas réagir s'il y a un but ou quoi du Widen. Du coup, voilà. Il a fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, j'ai pris un petit truc que j'ai ramené avec moi là. Un tout petit. Un petit truc là. Il a ramené des billets aussi, les frères. Là, c'est la richesse, frérot. Oh là là là. On est les rois du pétrole. Tu vois, il y en a, ils font des vidéos, ils font de l'argent. On va faire du trafic de billets. Ouais, on va voir, les gars, à côté du stade, si ceux-là, on peut les donner ou peut-être les vendre ou je sais pas ce qu'on va voir. Mais c'est avec ceux-là, du coup, les gars, qu'on va rentrer. C'est des billets catégorie 1 premium, les gars, du côté du Widen. Du coup, il va être content? Super content. Et quelque chose, pas venu les mains vides, les gars. Non, il n'est pas venu les mains vides. Regardez. Petit cadeau pour toi et Océane. Et voilà, pour les gars, être dans le thème. Il nous a ramené des casquettes. Moi, déjà, les gars, je me suis mis en rouge pour être dans le thème parce que je supporte pas Louis d'être de base, les gars. Là, comme ça, c'est mieux, non? Ah, les gars, après, voilà. Disons qu'aujourd'hui, les gars, voilà, pour entrer dans le thème. C'est mieux. Je peux pas mettre une casquette verte, s'il te plaît, frérot? Non, mais casquette verte, tu sors pas. C'est vrai, là je reste là. Et du coup, toi, tu as ramené quoi pour toi? Qu'est-ce que tu vas mettre là? Ah, moi j'ai des produits officiels des Winners. Produits officiels, ah ouais. Communication, le Bob Marley. Incroyable. Winners, déjà. Le style. T'as un petit t-shirt ou quoi? Un maillot, non? Ouais, j'ai une petite veste, oui. Bah, pas montre-nous, frérot, nous on veut voir. On est là, on veut voir, frérot. On est là pour ça, dites-leur. Gars, petite veste. Magnifique. Magnifique. Du coup, tu vas la mettre? Ouais, je la mettrai. Mais tu vas avoir un peu chaud, non? Moi, c'est le soir, tranquille. Ouais. Bon, les gars, du coup, on attend juste que Océane se prépare. Bien entendu, ça va durer 4h30 à peu près. Ouais, voilà. Une fois qu'elle finit de se préparer, on taille. Les frères, du coup, c'est parti. On a pris la route, les gars, pour Rabat. Vous allez voir tout de suite, les gars. Il nous reste 45 minutes. On n'est pas loin, les gars. Là où j'habite, du coup, à Casa, enfin, la maison de mes parents, c'est juste à la sortie, les gars, pour aller directement à Rabat. Là, on va passer Mohamedia et direct, Inch'Allah, ça va être Rabat. Il y aura normalement un peu de bouchon. Je pense pas, les gars, qu'il y a beaucoup de supporters déjà sur place, mais ça va commencer à se remplir. Il n'est pas prêt. Lui, c'est un pur Widadi, les gars. Lui, il est en train, il est dans un rêve, là. Là, t'es dans un rêve. Là. Vous n'êtes pas prêt, ce que vous allez voir, vous n'êtes pas prêt du tout. Vas-y, on va les calmer direct. Vas-y, on va voir. Mais juste avant, on va passer manger parce que les gars, si nous calmes pendant qu'on n'a rien dans le ventre, ça risque d'être un peu désagréable. Donc on va s'arrêter grailler quelque part, on verra les gars ce qu'il y a sur la route. Et directement après, ça va être le terrain, ça va être le hala. Le Widadigan ou Ibad? Est-ce que je peux supporter Birken pendant que je suis avec les Widadi? Clairement pas. Tu peux plus rien supporter après. Regardez, il y a des supporters Widadi, les gars. Ils partent de Casa jusqu'à Rabat. Ils sont à 300 casques dans une moto, frère. Ils sont sereins pour faire une heure de route là, comme ça, normal. C'est des fous. Il est là le Ranteo. C'est déjà ouvert? Ouais. T'as eu des photos? On sait un peu s'il y a du monde ou pas là actuellement? Non, je vais voir. Mais... Bah les gars, nous on est encore en train de chercher où est-ce qu'on va manger, les frères. On s'est arrêté à un McDo, mais c'était bourbier, les gars. Du coup, on est en train de chercher un autre endroit.
Sauf qu'en fait, il y a plein de barrages et tout, donc on va mettre peut-être du temps à trouver. Bref, de toute façon, vous allez tout voir avec nous. On va aller manger ? On est arrivé, les gars, au McDonald's. Il est là, on s'est en grand plan, toujours, les gars. Juste ouais. Après, ça va direct aller regarder le match. Hein. Direct. Excité ou pas ? Ouais, hyper. Allez. On est chaud. Petite prévision là. Pronostic. Chal. 3-1. Pour. Oui, bien sûr. On va voir. Tu vas manger quoi au McDo ? Je sais pas. On verra sur place. Regarde là, vas-y, on rentre. On va voir si déjà celui-là il est mieux que celui de Ainsa. Parce que celui de Ainsa, le tactile il marche plus. Ah ouais ? Voilà. Regarde. On sait, il marche. C'est incroyable, je crois il marche. Je commence moi, je vais vous montrer ce que je prends. Bon bah là il vous montre ce qu'il prend mais la musique est trop forte derrière et flemme que la vidéo soit démonétisée. Surtout pour une musique de Kenji. Si ça avait été du Nino, pourquoi pas. Bref, il a pris un menu triple cheeseburger avec frites et Coca-Cola zéro. En espérant que l'argent que générera cette vidéo suffira à rembourser le menu maxi best-of de ce halouf. Bisous. Allez on récupère ça ensemble. C'est la merde. En fait, là-bas, ils ont bloqué une route, la route pour le stade. Du coup, on sait pas ce qu'on doit faire. Et ils nous emmènent obligés sur l'autoroute de Fès. Donc voilà, là, on va essayer de trouver une solution. Yac. Ouais, je sais même pas par où on va passer, les frères. Parce que normalement, il y a une seule route qui emmène jusqu'au stade. Et là, les flics, ils l'ont complètement fermé et ils demandent à tout le monde de passer de ce côté. Et c'est là où on va. Mais sauf que, frère, c'est l'autoroute, tu vois. Et Waze, du coup, ils nous demandent de repasser, de faire le tour et repasser par le même endroit. Comment on va faire? Je sais pas du tout. Les frères, on a peut-être trouvé une solution. On a demandé à un flic qui nous a du coup montré les gars par où passer. On est en train d'y aller. Il reste 9 minutes de route. J'espère, Inch'Allah, les gars, que ça va être la bonne solution. Il y a eu tellement de trucs, les gars. Il y a des abonnés qui m'ont dit: ouais, viens déposer la voiture chez nous. Après, tu prends un taxi. Ouais, viens déposer la voiture chez nous. Après, on te dépose au terrain. Mais bref, bourbier, les frères. On va essayer de trouver une place, les gars, là-bas parce qu'il y a un parking dans le terrain. Inch'Allah, ça se passera bien. C'est parti. Camille! Ouais. C'est comment? C'est carré ou c'est garé? Le stade, il va être plein ou pas? À craquer! À kekra! Mille, stade Moulay Abdallah Ouidad contre Berkane, pronostic Camille de dernière minute. Qui va gagner, qui va perdre, c'est maintenant? 3-0. Oui. Pour? Ah oui, les. Tu sais quoi, à chaque fois, tu rajoutes un but? Ouais. Tout à l'heure, tu m'avais dit combien déjà? 3-1. Okay. Là, je leur ai enlevé le but. Parce que les conditions, il y a trop de supporters du Ouidad pour qu'ils marquent. Incroyable ambiance! Galant ou pas galant? Je pense que vu que c'est plus petit que le stade Mohamed V, on a l'impression d'être plus proche. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Ça? Ouais, exactement. Enceinte. Les gars, c'est des abonnés. Oui, d'être regardé. Amine, qui va gagner? Oui, dead, combien? Pronostic? 3-0. 3-0? Ouais. T'as dit la même chose? Connexion! C'est les U17 du Maroc. C'est quoi? C'est le U17 du Maroc qui se sont fait frapper par les Algériens. Pas nombreux, c'est à quel moment. On va plus mettre un virage, quel moment Widen. Ça, plus là on est nous. Il y a autant de monde ou il y a moins? Plus. Non. Ah, pareil, je pense. Mais là, c'est un match important. En tout cas, c'est pas mal. Mais t'as rien vu encore. J'espère juste que ça va être du beau football, j'espère. Parce que franchement, on voit trop bien là. Ouais, mais bon, beau football, je t'avoue. Parce que dis-toi, frérot. Compliqué.
Dis-toi, j'ai été au Camp Nou et j'avais pas une meilleure vision que là. Oui, en vérité. La vie. Là, je vois trop bien. Hey, on s'entend plus. On n'entend rien. C'est Can We On. Can We On? Hein. Comment tu sais? Ça veut dire quoi? Yalla. En gros là, ils ont écrit Yalla. C'est parti, machine à commencer. Sorti plus direct. Camille, au final, on vient regarder eux, pas eux. Bah oui, bah c'est dit, moi je suis midi, tu regardes le mec, tu regardes pas le match. Oui. On va sortir, on n'aura plus d'oreilles. Camille, coup franc, ils vont le mettre ou pas? Inch'Allah. Allez, c'est parti les gars, coup franc. Trop concentré avec... Mais regarde là, Camille, là! Camille, il regarde que là, les gars. C'est ça son spectacle, il est dans un concert. En même temps, c'est beau. Je pleure pas parce que Louis a dû perdre. Il hein. Y a plein de... Voilà quoi, à vous montrer. Deuxième mi-temps les frères, ça a commencé. C'est bon. Dommage les gars, beaucoup plus de dynamisme, ça va vite. Twitter. Allez, coup franc. Toujours pas les gars. Presque. 58ème minute, ça veut pas encore. Il perd du temps le pétaleur, il perd beaucoup de temps les gars. Ils ont tous allumé les flashs. Camille, tu kiffes? Incroyable. Faut juste qu'il marque là. Faut juste le résultat. Là les gars, c'est toujours 1-0 là, faut qu'il marque vite. Raté incroyable les gars, c'est trop. C'est pas possible. Il est parti tout seul, il a tiré. Non. Elle était belle hein. C'est chiant. En deux temps en plus. Les gars, l'arbitre il vient de siffler un pénalty très douteux. Très douteux les gars, très douteux. Très douteux les gars, là. Vous avez vu certainement les gars en live, mais très douteux. Putain. C'est pas possible. Il y a des gens, ils sont déjà en train de partir. Je sais pas si on va rester jusqu'au bout ou pas. Camille, t'en penses quoi? C'est
c'est jamais fini un match. Faut jamais partir avant la fin. Frérot, c'est pas le Barça, c'est pas la remontada là. 20 minutes, ça, c'est bon. On va voir. Moi, les prolongations. Penalty ! Penalty pour nous, Wydad ! Penalty pour nous, Wydad, les gars ! C'est maintenant, juste après, direct, pam pam, action, action ! Les gars, il vérifie la VAR, il va le dire maintenant. Ils ont joué avant. Allez, penalty ou pas, on va voir tout de suite. Non ! Pour les autres, oui, mais pour ici, non. Du coup, on part parce qu'on va pas prendre de risque. Il reste 10 minutes de match, mais bon, ils sont dans la voiture. La déception, Camille, la déception. Ah, y'a plein de MG. Sur la scène, match, ça va? Ça va, surtout la fin. Quand on est parti, elle en pouvait plus. Le match, il est fini. 2-0 les gars pour Berkane. Malheureusement les gars, le Wydad n'ont rien pu faire. Déception de Camille tout de suite dans 3-2-1. Voilà les gars, c'est comme ça, c'est le football. On est un peu venu les gars pour être déçus, mais c'est pas grave les gars, c'est le jeu. Maintenant les gars, le prochain jeu, c'est sortir de ce parking. Et ce jeu, il sera encore plus compliqué que le match qu'on vient de regarder, parce que ça fait au moins 10 minutes qu'on est là les gars, sachant qu'on est sorti à la 80e et ça avance pas d'un seul centimètre les gars. C'est une dinguerie, c'est bouché de fou devant. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir les gars. 22h. On se refait un petit plan exactement au moment où on sera sorti du parking. Oh! Quoi? Non, je sais pas. Du critique. 104. Ouais, d'accord. Les frères, c'était un bourbier. C'était un bourbier, ça a duré combien de temps? 40? Non, attends. Presque une heure. C'était à 22h, ouais, que t'as pris. Ouais, sachant qu'on a commencé à filmer après les gars être déjà arrêtés. Allez, regarde ce qu'ils font. Ils se rangent même pas, tu sais. Ils veulent rouler avec nous. Roulons. Bref, les frères, du coup, on prend la direction de Casablanca. Inch'Allah, les gars, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas beaucoup de bouchons. Il y en a plein encore, les gars. Franchement, on a couillé de fou pour sortir. Hein. Camille, raconte-leur, Camille. Ah ouais, frère, c'est une grosse galère, vous imaginez pas. Bon, là, une heure, quoi. Franchement, les gars. Je ne m'aime pas. Futur youtubeur, Camille, hein. Il a la méta. Bref, en tout cas, les frères, on prend la direction de Casablanca. On va encore aller manger. Donc, la journée n'est pas encore finie. Le vlog, encore moins, les gars. On se retrouve tout à l'heure. Les frères, la route, elle a été super longue, mais on est arrivé, on est là les gars, on s'est arrêté pour manger dans un chrono pizza. C'est pas trop autorisé les gars, ils nous ont pas offert le repas, mais tranquille, on est vers enfin les gars à Casablanca, on va se grailler. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à manger. Camille m'a fait le mec, I'm not hungry, I just need a bottle of water. Exactly my friend. Bref, les gars, du coup, il a pris sa petite bouteille d'eau. Moi les gars, j'avais faim quand même. J'ai pris ce sandwich, mon frère. Men salé, t'es khali Allah, doulob, comme on dit en arabe. C'est ce que ça veut dire ou pas? Ouais. Voilà. Donc vraiment pour le finir, ça va être compliqué. Potatoes. Là, il y a un moutarde et un ketchup. Il faut deviner. On a pris les gars des pâtes. Des pâtes. Penne. Et voilà, on va faire ça. Et ensuite, après, on dépose Camille. On est le lendemain les gars, hier on était tellement éclatés que j'ai complètement oublié les gars de faire l'outro. On est sur la route de Tanger parce qu'on va rentrer, mais cette vidéo prend déjà fin, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu les gars. Le match était quand même agréable à voir, les supporters c'est un truc de fou, on a vraiment apprécié. Merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les gars. Beaucoup de personnes qui regardent ne sont pas abonnés, c'est gratuit, ça soutient, prenez soin de vous, c'était Abdel, à la prochaine, Inch'Allah.